pharmacie en déformant les termes médicaux. Madame, je m'appelle Madame Héraldine Pinsonneau. Oui? Je sais pas si je suis déjà allée à votre pharmacie, puis c'est bien le fun. Je me mets pas loin de là, moi, là. Oui? Je suis allée, moi, j'arrive de l'hôpital, là, de Stélie Notre-Dame, puis ils m'ont laissé ressortir. Je suis rentrée à l'hôpital en même temps que mon vieux, lui, est allé se faire opérer pour une insectomie. Quoi. Et puis, j'ai été me faire opérer pour le vestibule biliaire. Oui? Et puis, ça va assez bien, mais là, je veux dire, depuis quelque temps, je prends du froid, là, puis je donne boîte téléphonique, j'étais pour prendre une marche, puis j'ai rencontré une femme, là. Oui. Et puis, j'ai rencontré une femme qui m'a parlé, justement, d'une sorte de pilule qu'elle prend pour le stretch. C'est quoi? Ben là, c'est ça, je me demande que c'est que ça pourrait être. Je me souviens pas du nom, je pense. C'est des calmitous, aspétu. C'est le docteur Attends, comment est-ce qu'il s'appelait? Léon Doceroni. Oui. C'est un Allemand, ça, à Notre-Dame. Oui. C'est lui qui m'a soigné, puis il m'avait parlé de ça, puis il me l'avait écrit sur un papier, là. Mm-hmm. Puis moi, j'avais écrit des numéros de l'Auto-Québec là-dessus, puis j'ai jeté ça, je sais pas trop quoi, j'ai perdu ça. Bon, ça, c'est pour calmer, là. Vous voulez quelque chose pour calmer? Dans le moment, là, je crois que je souffre du stretch. Parce que vous êtes nerveuse beaucoup, là? Ah, je suis stretchée, je veux dire... surtout là, de ce temps-là, le matin, là, j'ai pas été capable de mettre mes bas culottes, seulement j'ai pas tout. Bon, j'aurais du Calminex, c'est un calmant. Vous pouvez prendre deux ou trois comprimés quand vous levez le matin. Il faut faire attention que c'est que je prends, hein, parce que... C'est un produit naturel. Ouais, c'est parce que mon taux de cholestérol, là, ouais, est très haut. Attends, là, tu peux ça, là. C'est pas dangereux, hein. Parce que la dernière fois, j'ai pris ça, là, je suis venue la bouche pleine de feu follet. Toi, tu n'avais pas tous ses lèvres. Ça, c'est correct, ça, là. C'est très doux. Oui. Je peux en prendre combien de comprimants? Ben, vous pouvez en prendre deux le matin puis deux le soir. Peut-être que je prends trop de pilules. Ben... À un moment donné, je suis devenue, madame, le stretchy, là. Oui. J'ai ça à vous proposer. Puis ça vaut 4,59. C'est pas tellement dispendieux. Quand t'as du lombardo, là, je faisais ça aussi avant. Oui. Dans le dos, là. Vous en avez encore des problèmes, là? Moi, Diggy, je sais pas savoir ce qu'il appelait ça, là, Diggy Lombardo. Ben, ça va vous aider en prenant ça, là. Ça va vous calmer, ça fait vous aller relaxer. Votre dos, puis tout ça, ça va aider. C'est parce que ça, voyez-vous, là, ça, là, quand vous prenez trop de pilules, là, ça fait des douleurs des muscles à bobino. Oui? Oui. C'est Tex qui parle. Ah! Puis il fait des insolences au téléphone. Ah! Bonjour, vous allez bien? Oui. Franchement, Avez-vous aimé mes thèmes médicaux? Oui, ils sont pas pires, vos thèmes. Quand on souffre de stretch, puis la vestibule biliaire. C'est bon, c'est pas pire. Donner le nom ici, là. Oui, c'est quelqu'un, c'est probablement un de vos clients qui a demandé de vous faire prendre. C'est pour ça que s'il y avait quelqu'un qui allait répondre, j'aurais dit, je vais parler à la femme, là, je vais pas parler à l'homme, partout. OK. Puis le docteur, je vous le dis franchement, le docteur allemand, le cholestéronie. Il est pas pire, il est pas médecin. Je donne un gros bec. OK, bon. Ciao.